Depuis 48 heures, le festival de Deauville tourne autour d'une star américaine indétrônable. Malgré ses 80 ans, Bette Davis réussit à rester dans l'actualité puisque son nouveau film, Les baleines du mois d'août, réalisé par Lindsay Anderson, est cette semaine partout à l'affiche en France. Henri Chapier a rencontré la comédienne. Voici d'abord l'extrait de son film. I'm so glad you came. How often does one get a chance to entertain a member of the Russian imperial court? These days, my dear, almost never. You mustn't be so modest, Mr. Maranoff. Once a nobleman, always a nobleman. Alas, dear ladies, all of this is in the past. Tisha has told us about your photographs. Oh, forgive me, Mrs. Strong. My mother at the Winter Palace, 1910, I believe. Photographs fade. Memories live forever. Alas, Mrs. Strong, memories can fade too. That has not been my experience. But I'm not explosive on set. Je n'explose jamais sur un plateau. Au contraire d'Anderson, mon metteur en scène. On est guère pareils tous les deux. J'admire son talent, mais on ne se ressemble pas du tout. C'est un homme très capricieux. Pas moi, sur un tournage en tout cas. Il voulait que vous soyez totalement aveugle, je crois, et vous à moitié seulement. He wanted me to be half blind. Non, c'est lui qui voulait que je sois à moitié. Il m'en a fait d'ailleurs toute une histoire. Bien entendu, j'ai refusé de le faire. Yes, he was very adamant about that, and of course I refused to do that.